illustration de la police. 6 P aussi pas une femme âgée de 48 ans qui est décédée après avoir chuté du 7e étage de son immeuble, ce lundi, aurait été précipitée par la fenêtre par son compagnon, à Vernon, Eure, rapporte Paris Normandie. Les secours ont constaté la mort de la quadragénaire à leur arrivée sur place. La police avait été dépêchée sur les lieux une demi-heure avant le drame, après avoir été contactée par des voisins pour des faits de violence conjugale. Le suspect, âgé de 44 ans, avait menacé les forces de l'ordre avec une machette, avant qu'il ne se retranche chez lui, précise le quotidien régional. La procureure de la République d'Évreux a précisé ce mardi qu'il pourrait s'agir d'une affaire criminelle. L'homme se trouvait toujours en garde à vue au lendemain des faits et, son état mental a justifié son hospitalisation sous contrainte dès la soirée, a-t-elle précisé. Celui-ci ne s'est pas encore exprimé dans cette affaire. Plusieurs témoins ont vu la scène. La scène a suscité un vif émoi dans le voisinage, relate Paris Normandie. Des témoins ont expliqué avoir entendu des cris et des menaces de mort. L'homme aurait été vu en train de porter la femme avant de la jeter par la fenêtre. Je n'en ai pas dormi de la nuit. J'ai encore dans la tête l'image de mon ami, en pyjama, sur l'herbe, a témoigné une amie de la victime. Bouleversée par la situation, la police s'est déplacée plusieurs fois, mais n'a rien fait, a-t-elle ajouté, avant de conclure que cette femme subissait des violences conjugales depuis un certain temps. Elle était sous son emprise, sa prisonnière. Une faute ? 23 partage Let's Block ADS. Why ?